Émilie, je t'en prie, vas-y, honneur aux femmes. Alors, Ulogistique, on est une entreprise de la logistique en fait des magasins Huche. Ouais. On a organisé cette journée au niveau de l'encadrement afin de fédérer l'encadrement, d'apporter ce qu'on appelle du team building, comme on aime dire maintenant, hein, et pour passer aussi un très bon moment de convivialité ensemble. Quelque chose à rajouter, Ludo? Je crois qu'elle a tout dit. Hein. Je vais rajouter de plus. Des très bonnes sensations, ouais. Moment de convivialité, il y a plein de choses. Oui, et puis alors pour moi personnellement, qui n'est pas forcément grande fan de vitesse, on va dire à la base, cette sensation d'inconfort et puis de se faire réconforter par le groupe, ça donne une envie de. On voit bien que les groupes, allez, tu vas y aller, on va s'arriver, on se motive entre nous. Et indirectement, c'est des choses comme ça, des situations qu'on peut connaître au travail. Là, c'est vrai que c'est un peu hors contexte, on va dire, mais qui permettent de fédérer, on s'encourage les uns les autres. Et ça, c'est très important en fait. Et ça nous permet en fait de se dépasser et en fin de compte, on en ressort tous avec du plaisir. Super voiture, hein, déjà. L'accueil quand on s'est vu avait été formidable, franchement une très très belle équipe. On est arrivé, c'était au top. Franchement, là on a eu tout ce qu'on voulait, on est arrivé, superbe accueil, la nourriture, le petit food truck, c'était top. Vous nous avez encadré comme il fallait, vraiment. Franchement, chapeau, bravo à vous. Merci beaucoup. Et moi, j'irais sur le sens, on avait choisi cette presta. C'est vrai qu'on voulait sortir des sentiers battus, en fait. Et c'est aussi quelque chose que souvent, alors on rêve un peu tous de faire, mais on se dit que tout seul, on peut pas, ou tout seul, on peut pas. Et c'est vrai qu'on a là, on a la force du groupe, en fait, et ça nous permet de pouvoir, solliciter ce genre d'événement, en fait, parce que d'organiser et de pouvoir choisir. T'as des prestats comme ça qui sont fortes en sensation et qui sont aussi à tout seul. Voilà, moi je trouve que là le côté groupe en fait est très important et aide énormément, énormément. Donc, c'est vrai que tout, parce que c'est vrai que c'est des activités qui nécessitent un encadrement très important auquel vous avez super bien répondu. Merci. Je crois que c'est indéniable. Le baptême. Alors là, c'est indéniable, c'est très fort en sensation. C'est clair que ça nous fait passer pour des amateurs, des pilotes amateurs, mais c'est pas grave. C'est vraiment super. Franchement, ça décoiffe dans tous les sens du terme. On est dans une position qu'on ne connaît pas du tout habituellement. Enfin voilà, on est caché un peu derrière, mais on en ressort vraiment. Vous nous avez bien conseillé d'ailleurs là-dessus, vous nous l'avez dit directement. Si je peux vous donner un conseil, faites le baptême. On s'est interrogé tous les deux, on s'est dit, moi je pense que, à mon avis, en termes de sensations, on aura ce qu'il faut. Et... on a été servis. Effectivement, on a eu ce qu'il fallait. On vous le conseille, surtout allez-y, c'est le truc à faire. Ouais, tout est à faire de toute façon. Mais là, franchement. En tout cas, merci beaucoup pour votre venue, merci pour votre assiduité et puis félicitations encore. Merci beaucoup. Moi, je dirais un grand merci à vous, franchement. Chapeau. Avec grand plaisir. Pour tout ce que vous avez fait. Parce qu'on voit bien qu'il y a, et on voit bien qu'il y a toute une sécurité autour, parce que les amateurs qu'on est, il y a toute une sécurité. Vous nous avez briefé comme il faut et tout le monde est professionnel juste en nous accueillant puis en nous prenant tel qu'on est, avec nos qualités, nos défauts d'amateurs, qui n'ont pas toujours tout, mais vous savez bien nous gérer sans trop nous contraindre et ça, c'est parfait. Alors on se dit à bientôt. Merci à vous. À très vite. Allez, à bientôt. Au revoir.